Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau live sur la chaîne Barbatronic. Et live très particulier déjà parce que ça fait 200 d'affilée que j'en fais un, ce qui m'était jamais arrivé. Ça c'est la première chose. Bonsoir le futuriste. D'autant plus extraordinaire que pour la première fois, je stream sur deux plateformes en même temps, à savoir YouTube et Twitch. Voilà, donc pour ça, j'ai dû faire un setup un petit peu particulier. Alors attendez, parce que... Voilà. Du coup, j'ai dû... Ah, j'ai oublié d'allumer une lumière, c'est pour ça. Voilà, c'est beaucoup mieux. donc un démarrage de live particulièrement bordélique, comme vous pouvez le constater. parce que j'ai voulu changer 2-3 trucs et bon voilà, donc c'était un peu le bazar. Mais du coup, deux plateformes différentes. Je vois que ça fonctionne parce qu'il y a des gens qui postent sur YouTube, qui postent sur Facebook et tout ça. Sur Facebook, non, pas du tout. Et sur Twitch. Et du coup, c'est vraiment cool. Salut Kamikaze. Salut Alf. Du coup, c'est vraiment, vraiment très chouette. Je suis assez content que ça fonctionne. Ça, c'était la première chose. Parce que du coup, je me suis dit, on va faire un live un peu à l'arrache, mais pour vérifier que techniquement, je peux le faire et que ça passe pas trop mal. Salut Alex. Ouais, il y a du monde là ce soir, là. D'un coup, là, blam. Ça, c'est cool. Surtout que j'ai pas du tout annoncé sur quoi j'allais faire mon live. Voilà. Parce que du coup, ce qui se passe, c'est que j'ai annoncé sur Twitter, je sais plus, à 19h que j'allais faire un live, donc déjà relativement tard. Et en plus, je ne vous ai pas dit sur quoi j'allais travailler. Pour ceux qui étaient là hier, on a travaillé sur la carte des pompes pour la Coupe de France de robotique. On a travaillé sur la balise aussi. Qu'est-ce qu'on va faire ce soir ? Par chance, je ne suis pas resté au boulot aujourd'hui. Ouais, c'est le running gag. Salut Jonathan. Ouais, c'est cool le live sur YouTube et sur Twitch. Ça m'évitait aussi d'aller voir à envoyer la vidéo sur YouTube, ce qui était vraiment très très chiant. Et je perdais un peu de gens aussi qui n'étaient plus sur YouTube, qui étaient sur YouTube mais qui n'étaient pas sur Twitch. Bref, c'est très bien si ça tourne comme ça. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Eh bien, on va travailler sur la Coupe de France de robotique. En tout cas pour moi, et on va travailler sur un truc particulier, qui est la communication, parce qu'effectivement, on va pas faire du technique, mais ça va être technique quand même, vous allez voir. Du coup, l'idée, c'est que chaque année, il faut promouvoir un petit peu notre équipe, il faut également proposer en fait un truc d'animation, etc. Et surtout, nous, ce qu'on fait, c'est que régulièrement, alors c'était un peu perdu là, ces années chez nous, mais on fait des t-shirts personnalisés avec un petit dessin, un petit logo en thématique du thème de la coupe de l'année. Et du coup, il faut bien le faire, ce dessin. Et je me suis dit, tiens, ça pourrait être rigolo de... Alors, je vais peut-être pas tout faire ce soir, parce que c'est un boulot assez monstrueux, mais de commencer un petit peu à réfléchir à ce que pourrait être le dessin, à commencer à gribouiller 2-3 trucs, potentiellement, à dessiner, et puis, à discuter ensemble, si vous avez des choses que vous voulez, sur lesquelles vous voulez un petit peu discuter, dialoguer, etc. Et moi, je vais dessiner. Et je voulais également vous faire écouter de la musique, mais le souci, c'est que trouver une musique libre de droit qui soit pas trop chiante et qui ressemble pas à du boom boom dégueulasse de streamer de jeux vidéo à 4h du mat, j'ai pas trouvé, malheureusement. Les types de musique que j'écoute, malheureusement, sont sous copyright, malheureusement ou heureusement, j'en sais rien. Et comme le fair use n'existe pas, et que j'ai pas envie de me faire bourriner mes vidéos sur YouTube, et que j'ai pas non plus envie de vous faire écouter la même loupe que j'utilise dans mes vidéos que je monte sur YouTube, eh ben on n'aura pas de musique, sauf si vous arrivez à me trouver de la musique, de la musique cool et relativement tranquille, parce que j'aime bien dessiner avec des trucs un peu cool et tranquille. Ça m'intéresse. T'as vu ça?
Eurobot, Score Simulator, oui, robot. Cliquons dessus. Oui, j'ai vu, c'était cool. Alors attendez, vous le voyez pas. C'est vraiment cool d'avoir fait ça. Faudrait que je regarde comment ils ont travaillé le truc. Mais c'est vraiment vraiment chouette. C'est vraiment vraiment chouette en tout cas. Merci. Donc, si vous ne l'avez pas, bah voilà, vous avez l'adresse qui s'affiche sur le stream. Donc là, c'est plutôt cool. Salut Romain. Donc voilà, donc ce soir, hop, petit dessin. Et donc du coup, eh ben, stream dessin. Attendez, hop, j'arrive. Voilà. Pas du tout. Et voilà. Et du coup, on va. Alors, une Arduino, un code de générateur pseudo-aléatoire, un piezo, et voilà, t'as ta musique libre de droit. Alors ouais, mais ça va vite nous pomper l'air. Quand même. Alors, du coup, comment on va faire? Alors déjà, on va passer par une étape que je fais jamais. Mais là, pour le coup, je me suis dit, tiens, ça pourrait être pas mal sur le live, c'est de réfléchir sur un tableau blanc avant de passer sur carnet pour la suite. Alors, mon principe, quand je dessine, bon, je dessine pas souvent, mais en tout cas, voilà, quand je fais des logos, c'est d'abord de réfléchir sur une feuille de brouillon, donc là ça sera mon tableau blanc. Ensuite, dessiner les éléments sur feuille au crayon de bois et de faire du repassage après au feutre. Et après, ça, de le prendre en photo ou de le scanner et après de le mettre sur Inkscape et de faire une vectorisation du dessin pour pouvoir avoir mes logos dans n'importe quelle taille et faire ma colorisation directement sur Inkscape. Alors je vais quand même vous montrer ce qui a été fait à l'équipe par l'équipe ces dernières années comme dessin pour que vous voyez un peu le style du truc. Alors tout n'a pas été fait par moi. Alors revenons sur le bureau. Voilà, alors du coup, j'en ai récupéré. J'ai pas réussi à récupérer tout, ce qui est un peu dommage. Mais j'en ai récupéré un à l'époque des fruits mouttes. Donc, ça c'est des mammouths et tout ça. Et ça date un petit peu. Donc, on avait ce premier dessin-là qui est ici, qui était sur nos t-shirts et ça qui était sur les polos. Que j'avais retravaillé, c'était pas les versions finales parce que les versions finales avaient été ombrées et j'ai pas retrouvé l'ombrage. Donc ça avait été fait par Merlin, par ma sœur. Ça, je ne me souviens plus, j'ai un petit doute. Mais en tout cas, vous voyez que c'était même encore l'ancien logo avec les petites étoiles là au-dessus là. Bref, ça c'était voilà un dessin qu'on avait fait et ensuite il y a eu pas mal de temps sans dessin. Il y en a eu un que j'arrive plus à récupérer pour le cinéma. Bon, c'est pas grave. Après, moi j'en ai fait un. Voilà, que certains connaissent. Parce que je l'ai utilisé pendant très longtemps sur Twitter. Donc, ça c'était pour. Sur la partie espace. C'était Village, Moon Village. Voilà. Donc, c'est un peu ce style-là qu'on va refaire, à mon avis, pour le dessin de cette année. Donc, ça, c'était de moi. Et il y a 2 ans, c'était. Ah oui, on avait fait aussi les polos. Parce qu'on faisait t-shirt et polo. Donc, ça, c'était le t-shirt et ça, c'était le polo. Et du coup, j'étais revenu sur un style où je mettais un peu plus en avant le caribou il y a 2 ans sur un t-shirt. Et donc, c'était ce petit truc-là, toujours avec des dessins un petit peu humoristiques. Je sais pas s'il y a là. Ouais. Un petit peu humoristique. Voilà. Donc l'idée, c'est de trouver un truc qui colle avec le thème et qui est un peu rigolo. Voilà, bonne humeur, tout ça, tout ça. Donc, cette année, le thème. Ah, ça commence à dialoguer. Le code source est sur GitHub, mais du coup, j'ai dû faire un bouton car le comptage des points diffère selon trophée et coupe. D'accord, mais du coup, oui, j'ai vu le logo GitHub, du coup, j'irai voir ça parce que ça m'intéresse énormément. Effectivement, ouais, il y a une différence de points sur ceux qui arrivent dans la bonne zone à la fin. Bref, du coup, les points sont un peu comptés différemment entre les deux compétitions. Tu as raison, exact. Alors, attendez. Que je fasse pas de bêtises, parce que qui dit nouveau setup dit encore plus de chances de se planter. Oh là là là, c'est infernal.
Alors, ce qui est marrant, parce que là, j'utilise Restream, et avec Restream, on est capable de streamer jusqu'à sur 30 plateformes différentes. Je ne sais pas comment c'est possible. Alors, l'idée, j'ai pris quelques notes, parce que j'ai quand même réfléchi. Alors, notre idée, cette année, enfin, une idée que j'ai. Donc, le sujet, c'est Save the World. Voilà. Et pour l'anecdote, en 2000. Ah, tu avais fait un logo pour Priest. Ah, mais je m'en souviens, moi, de ça. Il y avait un truc. Oui, je me souviens. Je me souviens. Oh là, Nyon, ça date. Ouais, je me souviens qu'il y avait eu un petit concours de logo. Aussi, je sais plus pour d'autres thèmes, ça arrivait assez régulièrement. Bref. Alors, du coup, qui dit Save the World, tout ça, dit bateau, etc. Et donc, alors, ce que j'ai pensé, c'est imaginer. C'est marrant, j'ai pas du tout l'habitude de dessiner sur un machin comme ça. C'est d'imaginer un trimaran qui fend l'eau. Comme ça. Alors. Ça, comme ça. C'est un brouillon. Chouk. 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 Voilà. Hop, hop. Voilà, donc il faudra que je regarde les dimensions que je veux. Hop. Voilà. Avec l'écume, là. L'écume, ça va être un grand moment parce que j'ai jamais dessiné de flotte. Donc, bon. On va bien voir ce que ça donne. Nouveau challenge. Et de faire un genre d'écume. Une genre de trace. Derrière, alors il faudra que je regarde pour avoir une notion de voilà la distance comme ça avec l'horizon et voilà, avoir des petites bouées derrière. Voilà, bouée échouée. Il faudra que je regarde un peu ce qu'il y a comme type de bouée. Voilà. Et avec le petit logo des caribous là. Hop. Et d'imaginer un petit texte, comme ce que j'avais imaginé sur d'autres dessins. D'imaginer un petit texte humoristique. Alors, je sais pas si je vais. Comment je vais le claquer. Voilà. Un caribou qui shrug. Shrug. Du verbe shruguer. Qu'est-ce que ça veut dire shrug? S-H-R-U-G. Shrug. Ah, c'est ça, shrug. Ah. Je savais pas que ça se disait, que c'était ça. D'accord, ok. C'est le fait de faire. D'accord, ok. Alors. Voilà. Et du coup, j'avais mis un truc du genre. Alors, comment je vais équilibrer mes bulles? Je vais écrire le texte et puis on va voir. J'avais mis ça. Vous me direz ce que vous en pensez. Ah oui, alors par contre, c'est inversé pour vous. Ah non, c'est bon. Hop. Alors, hein. Dites si vous n'arrivez pas à me relire. Alors. Ah oui, mais alors, par contre,
J'ai un autre crayon. On doit. Là, je vais faire. Hop, non. Alors, c'est tout un art. Et là. Ça, c'est un bateau. Alors, je sais pas pourquoi je l'ai appelé Maurice. Il s'appellera Maurice. Voilà. Bon, je verrai après pour les formes. Et là, je vais mettre un petit. Alors, est-ce que je le mets ici ou est-ce que je le mets en dessous? Alors, c'est deux personnages différents qui parlent. Et donc, il y a des conventions en BD. Faudrait que je regarde. Voilà. Ici, ça c'est un deuxième personnage. Voilà. Et l'autre, c'est le même personnage. Voilà. Ah, une inspiration de bouée, merci. Oh non. Ah, attendez, cool. Faut que j'en... Oula. Ah, c'est pas ultra sexy. Zoomé. Pas ultra sexy. Oula, vous avez dû... tu sais quoi? Regarde. C'est, je vais te le montrer sur le... C'est ce que j'allais faire, justement. C'est bien, tu suis. J'avais pris des notes et j'avais mis. Oh bordel, j'avais même pris un petit photo de catamaran pour un, de trimaran pour savoir comment c'était foutu. Et j'avais mis c'est la serre, c'est la serre, c'est la serre, c'est la serre. Bref, tu lis dans mes pensées. J'ai perdu mon crayon. Et du coup, hop, je vais mettre ça. Je vais mettre ça ici en bas. En petit. Nickel. Je suis plus à l'aise avec ces bulles-là qu'avec les bulles rondes en fait de BD standard. Plus dans mon style. Donc voilà le truc que j'avais un petit peu en tête. Voilà. Je sais pas comment ça va se générer. Le truc, c'est que je voulais que celui qui crie soit le même, mais ça va peut-être pas le faire avec mon idée là. Donc ça, c'est l'idée globale du bousin. Si tu mets la voile gonflée dans l'autre sens, ce qui serait logique au vu du cap actuel, tu peux mettre le logo Caribou. Après, tu peux aussi rajouter un phare dans l'arrière-plan. Alors, bonne idée le phare. Et effectivement, selon... Alors... Bah, vu le cap, attends, il part dans ce sens-là. Donc que la voile elle soit gonflée comme ça. J'ai pris une photo pour voir un peu parce que j'avais un doute, effectivement. Et là, a priori, voilà, ça ressemble plutôt à ça. La voile est gonflée dans ce sens-là. Après, rien n'empêche de mettre un logo de un truc de caribou de ce côté-là, hein.
Peut-être le i de sale. Ah, ça c'est le thème, je le mettrai pas, je mets pas le nom du thème. Ça c'est masqué sur le t-shirt. Je mettrai uniquement la ligne de fond, comme ça. Voilà, et je me rends compte que j'ai tellement l'habitude de faire ça avec de la craie. Je suis en train de me pourrir les doigts. J'aurais juste voilà, la ligne derrière et ce sera tout. Et alors le phare, peut-être imaginer un petit phare comme ça, au loin. Je sais pas ce que je suis en train de faire, mais c'est pas un phare, les enfants. Bon, un phare. Ceci est un phare. Faut que je fasse un phare. Le mec qui crie, c'est la ça pourrait être le gardien du haut de son phare. Ah, j'aime bien le fait qu'il se charrie sur le bateau. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que là, lui, il est loin? Alors, Marc, ah oui, tu vois, ah oui, il regarde de loin le bateau. C'est le public et il crie, c'est la serre. Tu t'es trompé, c'est pas ça le thème d'Inktober aujourd'hui. J'ai tellement abandonné Inktober, mec. J'ai tenu 2 jours. En général, c'est le public qui crie, c'est la serre. Ouais, t'as raison, t'as raison. Effectivement, donc le public, il est dans le phare et il crie, c'est la serre. Et donc, du coup, ça serait ici. Yes. Hop. Bon, ce sera clairement mieux dessiné après. Ok. Et donc pas ici du coup. Par contre, niveau sens de lecture, ça va faire bizarre. Bah ouais, c'est pour ça que ce sens-là est plus naturel que de mettre ça au-dessus. Après, moi ce que je fais en général, c'est que les bulles et tout ça, je le mets à part. En fait, je vois ça un peu comme des assets. C'est-à-dire que je vais dessiner le bateau et certains éléments à part. Ce qui va me permettre de travailler un peu plus les détails. Et de toute façon, après, comme ça, numériquement, je le rebascule en vectoriel. Je peux faire un petit peu ma petite tambouille, quoi. En fait, c'est un peu plus sympa. Salut, Enertix. Donc voilà, le logo pour. Alors les t-shirts uniquement, parce que je suis pas sûr qu'on fera autre chose. Cette année, enfin en tout cas le voilà, il va falloir qu'on le redessine, mais c'est l'idée de ce soir. Il maîtrise Inkscape. Ouf, pas complètement, mais j'ai quelques bases. Salut King. Du coup, et ben du coup partons là-dessus. Alors on verra où est-ce qu'on fout notre truc là. Nos bulles, mais déjà ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de travailler le bateau, ce qui va pas être une mince affaire parce que parce qu'en fait je ne sais pas dessiner les bateaux. Donc je pense qu'on va prendre un modèle. Alors c'est con, il maîtrise Paint. Mon Dieu. J'ai maîtrisé Paint parce que pour la petite histoire, j'ai fait une BD entièrement sous Paint quand j'étais plus jeune. Et ça avait, c'était pour un concours, bah c'était pour un concours à Angoulême pour les collégiens. Et ça avait bien fait marrer le jury et il m'avait donné un prix du numérique. J'avais trouvé ça tellement drôle à l'époque parce que c'était dégueulasse. J'essaie de vous la retrouver. Et j'avais fait le principe, c'était de la faire que sous Paint et à la souris. Bah parce que j'avais pas de thune et que j'avais pas de palette graphique. Donc fatalement. Alors, a priori, le t-shirt il va être comme ça. Donc je suppose, à mon avis, que je vais plutôt faire mon dessin dans ce sens-là. Alors, comment dessiner ça? C'est un trimaran. En fait, ça dépend si j'ai une approche réaliste du truc. J'aimerais bien avoir
une dynamique où il se penche comme ça d'un côté, pas que je me plante. T'es pas le seul qui n'avait pas de thune. Et ouais, pas de thune, donc dessin sous paint. Alors, le plus dur, c'est de commencer. Je pense que je vais d'abord. Je pense que si c'est pas plus simple, c'est de faire le coq du bateau, de faire le mât en disant, écoute, il est penché, c'est comme ça, mon gars. Et travailler sur les voiles, parce que j'ai l'impression que sur un trimaran, c'est quand même les voiles qui permettent de savoir dans quel sens on est penché. Termes de dynamique, hein, j'entends. On va exagérément gonfler la voile. Plus que dans ma photo de référence, en tout cas. Pas évident. Choper les proportions. Vu que vous avez deux robots pareils, tu peux aussi faire deux monocoques. Ah! Et j'ai peut-être une autre idée. Pour un dessin humoristique, mais à distribuer aux équipes en fait. Je le garde pour un autre live, au cas où. Et du coup, en jouant effectivement sur la dualité de nos robots. Ouais, ça c'est pas mal. Normalement, c'est tendu comme ça. Ok. C'est vraiment bizarre. Ok. Donc, j'ai l'impression que ça fait un truc dans ce genre-là. Dessine une voile sans jamais en avoir vu. Hop. Mon mât, il est là. Ouh là 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 là. Après, pareil pour la tour de Pise. Écoute, elle est penchée, c'est comme ça, mon gars. Hop. On va voir si après je pars pas sur une. Je vais faire quelque chose de relativement logique. Et puis on verra après si on fait des trucs rigolos à l'intérieur ou pas. Bon, ça va pas être évident parce que je sais pas, une feuille de dingue et on est très loin en fait du bateau, donc les détails ça va être très compliqué de les afficher. Donc je pense qu'il faut quand même laisser pour suggérer le fait que la voile elle soit gonflée avant les ombres, que il y ait des traits et des dessins dessus. Ok, ça marche. Et alors là, je suis en train de me dire que si j'ai fait ma coque là, je vais devoir tout recommencer parce que je suis hors de mon. Ah, je l'ai fait trop grand. C'est pas grave. Je suis hors de mon. Je vais zoomer un petit peu. De ma feuille, mais c'est pas grave, j'ai chopé le truc. Je vois à peu près comment ça se passe. Donc, ça va le faire. Donc voilà, donc petit stream à la cool, hein. C'est vraiment dommage de ne pas avoir de musique pour le coup. Hop. Ah, c'est pas évident de se dire comment est-ce que je montre qu'il est penché sans que ce soit complètement aberrant. Voilà. Donc, ça c'était ma voile, pouette. Ma voile derrière, pouette. Les petites barres là sur les côtés je sais pas comment ça s'appelle. Voilà, le flotteur, ça va. Voilà, on va exagérer le. Voilà, cette pièce-là, ça j'y penserai. Ça, on va montrer qu'il est vraiment, vraiment penché. Voilà. Voilà, c'est le moment où on pose des questions. Ah, bah oui, si tu veux, oui, pas de souci. Un exercice que j'ai jamais fait de dessiner et de répondre à des questions en même temps, mais justement, c'était l'idée. Voilà. Et là, hop.
Lui qu'il attend que ça de poser des questions. On peut, monsieur, monsieur, est-ce que je peux poser une question? Hop là. Oh, moyen de s'amuser aussi sur les coques du bâtiment, je pense. Aussi. Comment on fait les bébés? Alors moi j'ai une enfant donc je peux t'expliquer. Mais est-ce que c'est bien le live pour faire ça? Ah, et puis tu sais faire, Audran, quand même. Quand même, on n'en est pas là, si? Tu vois cette bouteille de lait? Voilà. Tout le monde connaît cette référence. Hop! En fait, le problème d'un trimaran, c'est que c'est quand même des gros éléments. Et donc, ça va pas être évident de faire quelque chose de détaillé dessus. Je suis un peu trop. Plutôt comme ça. Hein. Ça serait plus naturel comme ça. Hein. Ouais. C'était ça vos questions? Vous avez que ça à poser? Je pensais que ça allait y aller avoir plus de choses. Hein. Alors, hop, effectivement, ce souci-là. Mais allez-y, hein. Allez-y, posez. N'ayez pas peur. Ça me fait peur ce stream en double là quand même parce que j'ai pas une connexion quand même de dingue et puis surtout on s'est streamé qu'une fois vers un seul fournisseur donc c'est quand même plus light que si je devais streamer deux fois mais waouh oula alors d'un coup j'ai eu 15 000 questions alors attendez vous utilisez quoi comme CAD chez vous. Fusion 360. J'ai bien eu une explication métaphorique avec des prises jack 2.5. Ah oui, ça c'était pour les bébés. Ok, d'accord. Mais j'ai encore un doute sur la partie faux contact à cause de la poussière au fond. Ah, du coup, je suis pas sûr. Vous avez commencé les tests de ventouse sur les verres. Oui, cet après-midi. Cet après-midi, on a testé deux styles de ventouses. Les ventouses de l'année dernière, qui étaient plutôt des ventouses hyper larges, en fait. Oh, j'ai pas assez de place pour faire ce que je veux. Donc des ventouses de... Alors je sais plus parce que je les ai laissées au bureau du coup, mais qui étaient relativement larges. Et des plus petites ventouses qui devaient faire 10 de diamètre. On a essayé de ventouser sur le dessus, sur le côté et à l'intérieur. Globalement, ce qui se passe, ce qu'on a pu voir, c'est qu'avec des grosses ventouses à l'intérieur, ça marche bien. À l'extérieur, c'est concluant, mais il faut quand même appuyer dessus. Sur le dessus, par contre, quel que soit le type de ventouse, il n'y a aucun problème. Et le bon compromis, on trouve, c'est des ventouses entre 10 et 15 mm de diamètre pour nous. Ouh. Entre 10 et 15 mm de diamètre. Et avec un... Comment? Et ça permet de prendre en fait à l'intérieur, à l'extérieur, sur le dessus, sans trop de problèmes et sans trop forcer. Du coup, on va plutôt partir là-dessus, a priori. Comptes-tu faire une barbe électronique? Ah, je pourrais me mettre des LED un peu partout là. Pour Noël, je peux vous faire un stream avec une guirlande dans la barbe si vous voulez. Fusion 360, mais avec quelle licence? Eh bien, écoute, il y a plusieurs types de licences. En fait, dans notre équipe, on a donc moi qui bosse dans un Fab Lab. Donc, on a une licence éducation pour le Fab Lab qui nous a été décernée parce que, enfin, décernée, qui nous est donnée par Autodesk parce qu'on fait partie de la Fab Academy. Et donc, voilà. Après, nos autres membres, hormis moi, sont des étudiants. Donc, ça facilite quand même la chose. Donc, ils ont des licences étudiantes pour pouvoir voilà, travailler. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi des licences maker et entreprise
qui permettent à des entreprises qui ont et des startups qui ont moins d'un certain nombre de chiffres d'affaires de pouvoir accéder à des licences gratuitement pour réaliser leurs projets. Donc voilà à peu près comment on s'en sort, nous, avec Fusion 360. Perso, on a testé les ventouses et ça marche pas trop quand c'est sur le côté. Nous, on a des ventouses avec un soufflet et demi. Ce qui permet enfin, à mon avis, ce qui arrange quand même pas mal les choses. On a testé avec des 20 minutes sur le côté, ça passe. Ouais, voilà, ça passe. Par contre, ventouse à souffler, hein, pas ventouse complètement plate. Avec des ventouses chinoises 20 mm de diamètre, c'est pas mal sur le côté. Les 15 minutes sont un peu trop rigides. Ça pousse le verre. Les notes, ça allait en fait. Je suis le seul qui est sur ton live YouTube. Ouais, en fait, les gens sont en migré sur Twitch, j'ai l'impression. Mais bon, désolé. C'est désolé. Ça va peut-être revenir, hein. Ça va peut-être revenir. C'est pour ça que je voulais faire un live un petit peu pas forcément technique ce soir, le temps de que les gens se réhabituent à ces deux plateformes. En fait. Voilà. Oui, souffler. 1,5, ouais. Et même comme ça pousse. Écoute, nous on a eu ce problème-là avec les plus larges du coup. Avec les 15 et avec les. Par contre, les petites, par contre, ça marche super bien. J'aime pas le design de l'arrière. Tuk-tuk. Voilà, on n'a pas fait l'autre partie. 2,5, c'est pas mal. Attendez, qu'est-ce que j'ai comme soufflet en fait? J'ai un petit but. Non, 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 on est bien là-dessus. 1,5. Je peux te tenir compagnie si YouTube. C'est gentil, Alex. Bah, de toute façon, ce qui est bien, c'est que les deux chats arrivent sur le visuel. Donc, c'est quand même pratique. Pour vous, et moi j'ai les deux chats aussi au même endroit. Malheureusement, effectivement, les gens ne peuvent pas s'échanger entre les chats. Il n'y a pas un chat global. Et bon, ça, malheureusement, je pense qu'on n'aura jamais ce genre d'outil. Ou peut-être que je me suis trompé. Le soufflet est trop rigide sur. Ah, bah t'es arrivé sur YouTube en fait, Alex. Le soufflet est trop rigide sur les 15 avec soufflet 1,5 qu'on a acheté. D'accord, ok. Bah, je pense que de toute façon, il faut tester. Hein. Moi, ce que j'avais fait, c'est que l'année où j'avais pris les premières ventouses, oula, ça ne va pas du tout, ça, rien. J'avais pris plusieurs tailles de ventouses d'un coup, parce que j'étais sûr et certain que de toute façon, il y allait avoir des problèmes. Donc, tant qu'à faire. Autant assurer le coup. Et finalement, ça, on a utilisé les grosses l'année dernière, et puis cette année, on va peut-être utiliser les deux types. On a des G12 0,45 en pompe, mais je trouve overkill pour des gobelets. Vous avez des petites pompes à conseiller. Des petites pompes bah, en fait, nous, on a les pompes qu'on a utilisées hier en live. Qui sont ces petites pompes-là que tu peux retrouver sur. En fait, tu peux retrouver les pompes et les ventouses sur notre site, lescaribous.fr. On avait fait un petit truc l'année dernière, on avait mis quelques liens. Donc, ça marche très bien. Pour ventouse, j'ai envoyé un verre à Koval et ils ont testé pas mal de ventouses. Ah, toi, t'es bon, toi. Ça, c'est pas mal. Il n'y a pas moyen d'avoir des pompes plus petites que ça? Quand même, hein. Bah si, très certainement, mais. Si, j'en ai vu des plus petites, en plus je te dis ça, mais j'en ai vu des plates. Mais non, non, en chimie, hein, pas. Mais oui, effectivement, il y en a chez les fournisseurs, mais ça coûte un bras. Mais ça peut exister. Par contre, j'ai aucune idée. Des performances sur un truc de ce genre-là. Voilà, à tester encore une fois. Mais comme j'avais aucune idée des performances de celle-ci. Hein. Donc moi là j'ai des versions qui sont des versions 5 volts, 3 volts et des bananes.
Il y en a certains qui tournent en 12 volts. Je sais pas si les performances sont équivalentes ou différentes. Tester les mêmes pompes chinoises mais en 12 volts sur tes conseils fonctionne bien. Ah! Bah écoute, je suis content d'avoir conseillé, de vous avoir conseillé. ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une autre équipe qui nous les avait conseillés il y a 2 ans, ces pompes. Et quand il m'avait dit les prix, j'avais été très étonné parce que nous, on voulait pas passer aux pneumatiques, justement parce qu'on s'est dit, oh, les pompes, ça coûte cher, on a déjà du mal à avoir des sponsors, alors on va pas en plus se rajouter problématique d'avoir un sponsor qui peut nous fournir des pompes. Et en fait, bah déjà avoir un sponsor pour des pompes, c'est pas le truc le plus dur, j'ai l'impression. Enfin, je pense, parce que j'ai vu pas mal de gens demander, bah ouais, à Koval pour ou des pompes ou des, enfin, surtout pour des ventouses. Et voilà. Puis alors après, quand j'ai vu le prix des pompes chinoises, honnêtement, ça vaut vraiment pas le coup de s'en priver. Donc là, l'idée, c'est que je forcis un peu les traits, juste pour voir. Enlever les traits de construction, voir un peu ce que ça donne avant de passer à quelque chose de plus fin. C'est quoi une ventouse soufflée? Ah, c'est une ventouse à souffler. Koval propose des pompes en 24 volts. Ah oui! Ah oui, trop cher. Ouais. Ventouse à souffler. Ah, les ventouses plates, c'est celles que tu connais très certainement qui sont dans ta cuisine, dans ta salle de bain, etc. Ventouse à souffler, c'est ça. Et ça, c'est un soufflet. Voilà, ça. Donc là, tu as un soufflet et un demi-soufflet. Voilà. Et l'avantage, c'est que du coup, là, tu as un peu plus de rotulage. Je sais pas comment on peut appeler ça. L'avantage aussi, c'est que je crois que les forces de, comment dire, de mise sous pression sont plus importantes que sur des ventouses plates. Je crois que c'est ça l'idée. Elles sont super intelligentes, mais qu'est-ce qu'elles font de super intelligent ces pompes pour être très chères? Du coup. Parce que c'est intéressant, quand même. Parce que peut-être qu'on peut refaire des pompes super intelligentes aussi, mais pas chères. Avec les moyens du bord. Elle gère le débit, par exemple. Ah, effectivement, ça c'est cool, ça. Oh, mais par contre, ça doit être relativement gros, non? Si tu sais ce que je veux dire, tu embarques quand même à la fois de l'électronique et comment dire des capteurs, etc. à l'intérieur. Ça doit commencer à être un petit peu overkill. Attends, je cherche la datasheet. Je veux bien, ouais. Parce que ça doit être assez incroyable comme taille, à mon avis. Et c'est Audran, c'est toi qui as une pompe qui est gigantesque dans ton robot là, dans ton robot secondaire de l'année dernière. Et fait le live, ça m'avait impressionné. Ouais, c'est ça ce que je pensais. C'est chez Thomas, ils ont des pompes qui sont très bien et qui sont très petites, mais effectivement, elles sont chères et du coup, elles. Attendez. De quoi? Ah oui, tu m'as pas du tout envoyé les pompes en fait. J'ai le verre qui se préparait à traverser la France. Ah oui, il y a ces petits trucs maintenant. Ah bah j'avais complètement oublié que je les avais mis ça. Bah, merci Gabinari de me suivre. J'ai rajouté ça hier pendant que j'étais en train d'update le stream et je ne l'ai pas activé en fait. Et donc du coup, on a des petits trucs qui vont popper. Donc voilà, donc si vous... Notamment si vous filez des tips. Le mec qui rackette le stream. Attendez, il faut que je teste un truc, filez des tips.
Si vous adhérez, si vous suivez la chaîne, je ne sais plus ce qui apparaît. J'ai complètement zappé le paramétré. Hop. Et là, je suis en train de me dire aussi que je vous ai dit, ouais, l'année dernière, je n'avais pas fait de dessin parce que j'avais pas eu le temps. Et en fait, c'est complètement faux. Je suis en train de me souvenir que j'avais fait. Putain, ce carnet. J'avais fait un dessin. Ouais, j'en avais fait un que j'avais commencé à coloriser et sur lequel j'avais fait j'avais refait les ombres, etc., que j'avais posté sur Twitter, mais finalement, j'ai jamais eu le temps de le passer en t-shirt, véritablement. Ce qui est un peu dommage. Mais c'était assez rigolo à faire, celui-là. Anyway, hop! On revient ici. Voilà la pompe. Koval, regardons ça. Ah, marche pas. Ah, c'est un PDF. Ouh, 6 minutes. Ouh là là, ils sont en PLS sur le serveur de Koval là. Allez, on revient. Le temps que ça charge. Ça va pas être évident de faire des équipements sur. Je me rends compte. Ça va pas être évident du tout. Je me demande si je vais pas les faire directement dans Inkscape. Tellement c'est petit, parce que là je crois que. Bon, après c'est sur un t-shirt, donc ça sera pas tellement plus grand que ça. Ça sera même peut-être un peu plus petit. Ah mais en plus c'est du Venturi. Ah! Tu l'as eu avant? Ah oui, non mais alors là du coup forcément. Il y a un souci au centre sur mes trucs là. Ça ne va pas. Ce n'est pas correct. Ça a chargé, ça a chargé. Oh my god, ça ressemble pas du tout à une pompe. Attendez, je vous montre ça. Vacuum Manager. Ah oui, mais non, mais là. D'accord. Oh la vache. Ah ouais. C'est mi elles sont microscopiques. Ah oui, je suis impressionné là. Ah oui, mais attendez. Non, ça c'est le Venturi. Il faut une pompe quand même. Il faut quelque chose. Là, y a ça, mais derrière, il faut le système qui vient. Et après, ça devient l'enfer. Là, il faut quand même rajouter quelque chose au-dessus, quoi. On est d'accord. Pourquoi il faut oublier Romain le Venturi? Qu'est-ce que vous avez fait? Ah! C'est quoi? Ah, c'est chez Piab. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est en. Ah, c'est trop bien! C'est de l'air! T'as pas essayé de le fabriquer toi-même? Ah, je suis déçu! Y a pas le. Ah, je suis loin de mon. Ah, et plan CAO, application, produit, application. Non. Ah oui, non. Si je veux. Ah non, c'est à côté. Si je veux des. Plus d'infos. Bon, je vais retourner mon dessin parce que là j'ai du mal à voir, je suis vraiment allongé sur mon bureau pour regarder. La team pince. à cause du débit d'air en entrée nécessaire. Oui, c'est ça. Ouais, t'as besoin ben, voilà, de générer un débit assez important pour que ça fonctionne correctement, j'ai l'impression. En tout cas, c'était ce que. Qui m'avait un peu rebuté au début sur le sur les sur ces systèmes-là parce que tout le monde me parlait de Venturi et puis après quand je regardais tout ce qu'on devait positionner pour avoir un Venturi correct, j'ai fait bon bah vous êtes mignon mais c'est trop quoi pour une équipe qui débute etc. c'était vraiment
C'était vraiment too much, quoi. Surtout sans savoir si ça allait fonctionner ou pas, quoi. Et vous, chez Evolutech, du coup, vous tournez là-dessus? Il faut un compte pour accéder à la doc. Ah merde, dommage. J'avais le système de Ventoux cette année avec une petite pièce 3D qui fait la connexion au tube. Vous en avez parlé hier. Ouais. Ah tiens d'ailleurs, ah non, j'ai pas fait de photo. Mon collègue, il a essayé un connecteur imprimé en 3D avec des pièces vissées dedans pour pouvoir comment dire adapter les ventouses et ça fonctionne super bien. Il a fait ça cet après-midi là. On a testé en début d'après-midi et ça a l'air de bien bien fonctionner. Donc en fait, c'était vraiment que les pièces qu'on avait imprimées l'année dernière, bon, elles devaient avoir des fuites, c'était un peu dégueulasse. Là, il en a fait une plus mastoc et honnêtement, ça a l'air assez cool quoi. Donc du coup, on va pouvoir faire ça, on va pouvoir travailler là-dessus. Hop. Ils ont vraiment des trucs sympas. On garde nos pompes. Alors attendez. Il y a des trucs qui arrivent, il y a des trucs qui pop. Ouais, bah du coup, il a fait un truc un peu dans le même genre, mais beaucoup plus massif. Et c'est vraiment plus petit là. C'est vraiment plus petit. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur là? Ça là, c'est quoi? Dans ton tube? Ah, oh, mais ça, c'est trop bien ça. Ah ouais. Ah ça c'est classe. J'aimerais presque en fabriquer une moi-même en fait. Mais c'est classe. C'est très très classe. Hop. Nous là le gros chantier après ça va être la comment la partie codeur là. On n'a jamais eu de codeur sur nos robots et là après la solution qu'avait RCVA pour les cônes de bois ça passe à Beachbot c'est un collier de serrage pour garantir que l'air passe même si le tube est plié ah. Oh, c'est malin ça. C'est très très malin. Donc ceux qui n'ont pas compris, c'est que là-dedans, là, il y a un petit collier, il y a un petit machin. Et donc du coup, ça évite que... Ah ouais, pas mal. Et si jamais le tube se plie un petit peu dans la pince, bah, il y a quand même de l'air qui circule, quoi, parce qu'il y a ça qui fait résistance. Bien vu, bien vu. Alors, les pinces de RCVA. Ah oui, je me souviens, ouais. Ah oui. Ouais, là, ils avaient deux servomoteurs. Hop, ils s'allevaient l'ensemble. Ok, ouais. Salut, monsieur Hippo. Si, si. Un petit robot. Ouais, ça pourrait passer, hein. C'est le même principe. C'est le même principe. Les gens qui doivent arriver sur le live là. Oui, je vous jure, c'est vraiment un truc pour de la robotique. Même si c'est un peu particulier. Donc je suis en train de dessiner un bateau pour une compétition de robotique. Tout va bien. C'est tout à fait normal. Sinon, tu mets un ressort de contraction dans le tube, bien plus efficace. Ah. Oh, il faut un long ressort de contraction. Mais ça, c'est une bonne idée aussi, ça. Plus cher. On monte dans les... Une grande et très bonne évolution des codeurs, bonne idée. Ouais. Oh oui. Oh oui. Et ce qui est marrant, c'est que on n'en a vraiment pas eu besoin encore les années précédentes, parce qu'on n'a pas encore été très bloqué. Mais c'est vrai que de toute façon, comme ça va arriver, surtout avec des terrains très ouverts comme cette année, il faut qu'on ait quelque chose si on est un peu perdu sur la table, quoi. Donc, bon.
Et puis, ça sera un gage aussi de précision sur nos déplacements quand même. Et là, du coup, bon, après, on est en moteur pas à pas, donc c'est vrai que ça règle quand même énormément de soucis, quoi. Mais bon. Non, mais le ressort autour du tube. Ah oui, je le fais aussi, ça. Ouais. Mais j'ai une autre idée là cette année parce que les ressorts autour des tubes, c'est relativement chiant à trouver. Et donc du coup, ouais, je me suis dit que cette année, j'essaierais bien. Voilà. Donc on a des tubes comme ça et de prendre ce genre de choses-là. Et j'ai fait 2-3 essais dans le système. Et en fait, on met ça dedans. Et l'avantage, c'est que bah même si tu fais ça, le tube se pince pas, quoi. Donc voilà. L'air passe quand même dedans. Je trouve que c'est aussi une solution qui est pas trop mal, qui est pas trop chère. Vous savez que j'aime les solutions bien pas trop chères, faciles à avoir. Parce que nous, on avait mis des ressorts de Durite bah, sur conseil d'Audran d'ailleurs. Et ça avait super bien fonctionné, sauf que bah du coup faut les sourcer, c'est chiant. Et ça, l'avantage, c'est que bah, on peut en avoir vraiment pas cher à plein de tailles différentes. Et ce qui était intéressant aussi, c'est que comme on a le système avec notre électronique, etc., c'était de faire passer à la fois le tube et le câble de pilotage dedans. Voilà. Donc, faire d'une pierre deux coups. Je sais pas si ça va le faire, je vous dirai. Mais ça me semble être une solution rigolote. Allez, zou. Alors, par contre, moi, là, ici, mon machin, il arrive là. J'ai quand même mon connecteur qui arrive ici. Voilà. Il est devenu poreux, a perdu son efficacité. Oh, mais t'es sûr que c'était pas un mauvais tube silicone? Enfin, je veux dire, t'as identifié effectivement que c'était la matière qui n'allait pas. De manière. Parce que peut-être, je sais pas, hein, mais. Dans le ferroviaire, on avait des petits soucis comme ça, mais c'est parce que l'air n'était pas pur, il y avait des cochonneries qui se foutaient dedans. Et si le filtrage n'était pas bon, bah du coup, l'ensemble commençait à devenir un petit peu chelou au bout d'un moment. Donc, RCVA, c'est aussi du silicone. Salut à tous, je débarque. Bah salut, Mike 118. En fait, il y a beaucoup d'équipes hein, où c'est du silicone. Hein. J'ai l'impression. Alors, pas évident de simuler la flotte. Je me suis quand même lancé un défi de ouf là, parce que en termes de dessin, là, j'ai jamais ni dessiné de bateau ni dessiné de flotte. Donc, comme quoi, je pense que je vais pas dessiner la flotte tout de suite. Je vais regarder en fait un dessinateur que j'aime bien, c'est Franquin. J'aime bien son style. Et je voudrais savoir comment lui, il dessine la flotte. Je ne dessine pas suffisamment pour me dire, tiens, tout à fait, ça se dessine comme ça. Voilà, peaufiner un petit peu. Voilà, tac, tac. Et du coup, là, normalement, il y a en transparence. C'est pour réduire. Et donc, du coup, ça va me permettre de me donner un petit peu de corps à ma voile. Voilà, donc, du coup. Bien le cas du caribou comme ça ici je reprends exactement la police ça peut être évident sinon je le referai après tube pneumatique standard le silice est un petit peu opaque blanc tuyau d'aquarium ah attention à la méca pour avoir de bons résultats avec les codeurs faut absolument que les roues motrices et les roues
codeuse soit sur le même plan et sans jeu. Yes. Mais justement, c'est tout l'intérêt du système. Faut vraiment qu'on réfléchisse correctement à ça. Mais l'avantage de nos robots, c'est que l'axe des roues, déjà, c'est le même axe pour les deux roues. Donc on est centré, on est aligné par rapport à ça. Et du coup, l'idée, c'est qu'au montage, on fasse également ça, on fasse attention à ça. Potentiellement qu'on assemble les deux codeurs en même temps, les alignant avec une pige qu'on retire après. Mais du coup, qui permet d'aligner correctement les deux codeurs. Donc un outil de montage. Le cas va être un peu trop haut, je pense. On va le descendre, on va le mettre là. Voilà, tac. C'est plutôt pour une référence pour moi, parce que de toute façon, c'est un truc que je risque de refaire complètement après à la au vectoriel. Hop. Y a un problème. Il y a un souci. Pas évident. Hop. Voilà. Là, c'est beaucoup mieux là. Yes. Voilà. Tu as quoi comme machine pour créer tes robots? Pour créer mes robots. Ah, alors il montre du tube d'aquarium. Ça, c'est Kamikaze qui nous montre ça. Alors, comme machine pour créer mes robots. Alors, j'utilise. Déjà, essentiellement, moi, je travaille dans un Fab Lab. Donc, ce qui me permet d'avoir quand même une grosse ressource en bécane. Donc, ça, c'est plutôt cool. Mais de toute façon, même si je ne travaille pas dans un Fab Lab, je crois que je me rapprocherai d'un Fab Lab le plus proche, Fab Lab associatif de ma ville. Et alors, en perso, j'ai. Une imprimante 3D à moi. À l'association, on a une imprimante 3D qu'on a gagnée à la Maker Fight l'année dernière. Ensuite, moi j'ai une Shapeoko, donc une fraiseuse, une petite fraiseuse pour plutôt des matériaux relativement légers, hein. Voilà. Ensuite, au Fab Lab, on a plusieurs imprimantes 3D. À dépôt de fil et en résine. On a des grosses fraiseuses type ShopBot et fraiseuse métal. De quoi faire du tournage, deux découpeuses laser de respectivement 80 et 120 watts. Voilà un peu tout ce qu'il faut pour pouvoir. Comment dire, travailler le bois, le métal, etc. Donc ça c'est plutôt cool. De quoi faire des protos de cartes en gravure à l'anglaise. Bref, pas mal d'outils. Oui, le dessin c'est pour des t-shirts pour la Coupe de France de robotique. C'est un peu le live créatif. Je suis pas très content de mon machin là, c'est un peu, ça fait Pokéball là, ça va pas du tout ça. Je mettrai autre chose. À réfléchir si je trouve des idées. Forcément, il faut un câble. Il faut un câble ici. Voilà. C'est quel Fab Lab? Alors, c'est le Fab Lab de la machinerie à Amiens. Alors c'est pas, on n'est pas qu'un Fab Lab. On a aussi plein de trucs. On fait de la CSTI en robotique pour les jeunes. On fait de la formation. Historiquement, on a aussi du coworking et du. En fait, à la base, on fait coworking et Fab Lab. C'est un peu développé après. Et de la formation aussi pour les jeunes éloignés du numérique, de l'emploi, etc. On a un incubateur de projets économie sociale et solidaire
aussi. Voilà. Donc plein de projets. Ça marche super bien ce tube. Tube de l'été. C'est quoi ça? Ah oui, c'est le tube. C'est le tube de. Comment ça s'appelle? D'aquarium. C'est ça? C'est bon. Hop. C'est là où normalement je suis un peu bloqué. Il va falloir que j'aille voir un petit peu sur internet comment c'est foutu à l'intérieur d'un trimaran. Pour avoir quelques idées. Ou sinon, je m'arrête là, mais je commence à faire l'eau. Mais je trouve ça un peu pauvre. Hop. Ok. Donc là, ma voile, on va quand même lui montrer qu'elle a un peu de corps. Voilà. Voilà. Si t'as des doutes, fais un tour au Salon Nautique de Paris. Serait drôle. Bonjour. Je vais faire des dessins de bateaux. Wow, en plus, je suis sûr que c'est quelque chose qui va se faire assez souvent. Tu iras à la Maker Faire. Alors, pas de Paris. Peut-être de Lille. Mais c'est pas. Rien n'est moins sûr. Donc, je ne sais pas. Mais Paris, c'est sûr que je n'y serai pas. Voilà. On avait dans l'idée d'y aller cette année, mais on a laissé un peu se passer la date. Donc je sais pas si ça sera. Voilà. Vous pensez quoi des 5 dernières secondes de match? Hissage de pavillon devant les balises. Ça me semble vraiment foireux pour l'évitement. Bah. Sujet à grand débat. Allons-y. Débat dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez? On en a beaucoup discuté en commission. C'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. Ouais, c'est. Il y a des pour, il y a des contre. En se disant que dans les 5 dernières secondes, tout le monde rentre au bercail, mais justement, potentiellement, ça peut être le bordel parce que du coup, tout le monde rentre et que ça peut faire vite un dawa. D'un autre côté, ça masque pas partout. Il faut être à l'arrêt. Bref, c'est assez compliqué. Merci pour le following, monsieur Hippo. Ça me semble dommage que la filiation ne soit pas assumée. Attends, je comprends en revanche que porter tous les matchs à 105 secondes, c'est. Ouais. Bah, c'est aussi quelque chose qui a été discuté parce que du coup, ça faisait porter les matchs si on mettait la Funny Action à 105 secondes et on avait quand même envie de la garder, cette action, parce qu'elle était quand même cool. Donc, c'était soit ça, soit imposer des matchs de 95 secondes et du coup, de perdre 5 secondes sur un match, ce qui aurait peut-être généré une levée de bouclier hein, aussi. On va pas se le cacher. Donc bon. Non, c'est pas simple. Toutes les alternatives ont été. Ouais, c'est vrai qu'en fait, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup discuté. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'échanges et notamment beaucoup de solutions, de comment dire, de propositions. C'est vrai qu'on a eu beaucoup, beaucoup de choses qui ont été discutées là-dessus. Donc, bon. J'ai vu que c'était ressorti hein, de toute façon sur le forum.
Baker-Ferlil, on n'aura pas la même surprise de l'année dernière, j'espère. Fin du salon, très tôt à cause d'une panne d'électricité, on était dégoûté quand même. Ah oui, ça c'était très drôle, Baker-Ferlil, l'année dernière. Alors moi, j'y étais pas, j'étais parti juste la veille. Mes collègues, ils étaient restés. Et ils m'ont envoyé des photos et je pensais qu'ils se foutaient de ma gueule. Et ouais, non, il y a panne de courant, deux pannes de courant, troisième panne de courant, je crois. Et là, eh ben, on peut plus parce que en fait, les gars qui peuvent réparer, ils sont pas dispo le dimanche. Donc, bah, bisous, on ferme. Ah, bah, dis donc. À 13h ou 14h, je crois. Donc, ça, c'était quand même pas cool. De toute façon, c'est pas au même endroit, Maker Faire l'île de mémoire. Ils le font pas au même endroit. On verra bien, l'arbitrage risque d'être difficile. Bah ouais, on verra bien, effectivement. En tout cas, voilà, pour en avoir discuté, le comité sait que ça va potentiellement générer des soucis, mais c'est en connaissance de cause, quoi. Quand on fait le règlement, il y a le comité d'arbitrage ainsi qui donne son avis, hein. Donc, il découvre pas ça. Comme vous, hein, c'est fait forcément avec leur accord. Donc. Yes, on verra bien. Ouais, en vrai, peut-être que ça générera pas de soucis. Au final. C'est vraiment. Bon, je suis un peu paumé, moi, j'ai pas l'habitude de dessiner des bateaux. Et j'aimerais bien mettre plus de détails. C'est pas évident sur ce niveau, sur cette taille de machin. On peut rajouter des petites. En fait, sur le pont là. Voilà, j'aurais fait un bateau d'il y a 3 ou 4 siècles, c'est plus simple. Les bateaux modernes, ils sont tellement épurés qu'il n'y a plus rien. De loin, hein, j'entends. Forcément, de près. Des petits détails. Là. Là, sur les écoutes. Tac. Bon. Allez, on va laisser ça comme ça. N'y touchons plus. Et regardons un petit peu ce qui se fait au niveau du tchouk-tchouk-tchouk de la mer. Comment on va dessiner la mer? Ça, c'est quand même pas évident, ça. Et dessiner l'écume, parce que l'idée, si. Merci, Romain. C'est que si jamais. On a cette trace là. En fait, comme ça va être un t-shirt, faut se dire que tout ce qui est dessiné ici, j'aurai pas de fond. Il n'y aura pas un fond bleu, en fait, uniforme. Ce sera le t-shirt qui sera dans une couleur. Et il y aura juste l'écume qui va être suggérée, en fait. Et donc, pour faire ça, bah, il faut que j'arrive à trouver une solution d'écume qui me satisfasse. Je rajouterai des détails après. Maintenant, l'écume. Regardons un petit peu ce qui se fait en dessin. Oups, je vais mettre ça là. Alors, zoom. Je vais remettre mon bureau. Ah non, ça c'est pas mon bureau. Alors, Tiens, dans Tintin. Tintin, bateau. On va regarder un petit peu comment il fait ses écumes. Ça peut être très intéressant. D'accord, donc lui, il a un travail un peu comme ça. J'aime bien. C'est chaud parce que la ligne claire, c'est tout un art. Hein. Donc lui, en fait, il suggère avec des crêtes blanches. D'accord. Et si je fais du Gaston Lagaffe, il y a des bateaux. On va voir. Qu'est-ce qu'il a lui?
La gaffe avec un E, s'il vous plaît, effectivement. Image. Tiens, là, il y a un peu de mer. Ouais. L'écume dessus. Ça, c'est le même. Un style cel-shading. Non. Non. Stop. Sinon, tu pars sur du style estampe jap. Ça peut être très drôle. Ah oui. En plus, j'ai une image en tête. Malheureusement, je vais pas la retrouver. Alors, oh non, attends, je vais taper estampe japonaise vague. Il y a un... Ah voilà, c'est celle-là que j'avais en tête, qui est très connue quand même, qui est relativement jolie. Alors, comment avec le bateau là au milieu? La vague d'Okusai. Ah, c'est joli ça. C'est joli. Tache blanche et très noire. Ouais. La vague de Kanaga. Allons, c'est la même chose, Kanagawa? Là, c'est un peu tout. Much. Non, mais ça donne des idées quoi. En fait, là, clairement, je vais jamais réussir à le faire sur du crayon. Ça sera vraiment quand je vais passer en colo que ça va être hyper intéressant. Là, je vais essayer de faire des trucs, mais je suis pas sûr d'arriver à travailler ça correctement. Qu'est-ce que tu dis de Kanagawa? C'est pas ça du coup, c'est pas exactement la même chose. Ah bah si, c'est ça, oui, d'accord, ok. Switch bête. Bon, ok. Donc il y a ceci style là, il y a un style un peu comme ça où c'est juste des petites fraclettes et on joue avec la couleur. Et là, c'est pareil, c'est la crête qui est blanche. Bon, bah écoutez, on va tenter un truc dans ce genre-là. Je me demande si je vais pas tenter ça un peu à côté, en mode je vais reprendre ça. Et l'idée, je vais un peu m'exercer là-dessus. Alors, c'est que ah, c'est de loin, donc j'ai un tracé qui va faire un truc comme ça. Waouh, ça c'est du dessin. Bonjour, je suis un professionnel. Parce qu'il faut se dire que ça sera pas plus grand que ça, hein, en taille. Donc ça va vraiment se jouer. Petit détail. Voilà. C'est marrant, on a exactement le même souci que quand on a fait le terrain de la coupe cette année. Comment on fait des vagues, comment on fait de la flotte, comment on le suggère? C'est vraiment pas évident en fait, comme truc. Alors déjà, ce que je vois, c'est que vraiment de la flotte sur un, c'est vraiment, ils font ça de manière vraiment une tâche, ça. Vraiment que ce soit. Ça peut être l'avant du bateau. Voilà. Avec, alors non pas l'avant qui est dessiné, mais un peu suggéré. Clac, clac. Donc. Ouais, du coup, il y a une. Ah, ils font une genre de sens de vague. Ça, c'est trop bizarre. D'être d'avoir une genre de tremblote dessiner ça et puis avec du coup le reste de l'eau qui arrive comme ça. Oh, toute une technique.
ça qui serait en bleu. Je vais m'éclater pour pouvoir faire le coloriage avec un truc pareil. Je ne sais pas, c'est pas la méthode la plus facile que j'aurais envisagée du coup. Mais pourquoi pas? Par contre, comment je vais faire ça avec mon truc qui est minuscule? Vraiment que ça, c'est quelque chose que je vais redessiner au-dessus, quoi. Je vais redessiner au-dessus. Ce que j'avais fait avec le dessin du cosmonaute, là, c'est que j'avais fait, par exemple, le tuyau, je l'avais fait à part, hein, et je l'avais retravaillé, je l'avais retravaillé à part. Ce truc-là, ça, tout ça, cet élément-là, cet élément-là, je l'avais fait à part. Et même les petits caribous qui étaient autour, c'est des choses que j'étais venu rajouter par la suite. Hop. Donc, je suis un petit peu bloqué. Je n'aurais pas va faire un truc, c'est que ça, on va le garder. On va le mettre de l'autre côté. Voilà. Et on va retravailler, cette histoire de vague. Alors, en mode traînée. Et puis, ah non, il y a les bouées aussi à faire. Imaginons. Et le phare aussi. Imaginons que ça soit la ligne d'horizon. Ils ont fait énormément de trajets. Voilà. Et là, boum, ils arrivent. Et là, bateau, ici. Et faut réussir à suggérer que ça, c'est de la flotte. Et tout le reste. Donc. On va le faire. Venir. Fin, irrégulier quand même. C'est une ligne d'horizon, mais bon. Oui, ça devrait être droit. Et on va dire que la mer est dans ce sens-là, au fond, et que là, du coup, ça fend la mer. Alors, ça veut dire que. Hein? Je vais ça comme ça. Et j'ai un tracé. Voilà. Et alors là, du coup, pour faire un tracé comme ça. Ah bah si, je sais ce que je vais faire. Très simple blanc. Je fais un tracé simple comme ça. Voilà. Et qui se complexifie à partir de là. Voilà. Et qui là, hop, se dédouble. Je pars sur. Et. Les deux bouées qui sont là. Clac, clac. Donc avec un tracé qui vient là. Voilà. Voilà. Vraiment qu'ils arrivent comme ça. Bon, je sais pas ce que ça va donner. Voilà. Donc ça, c'est ma ligne. Hop. Improvisation totale.
couper avec avec le rond, avec la mer. Tac, tac, tac. Je sais pas du tout si ça va rendre bien. Hein. Grande première. D'écume. Surtout là où ça va être plus sympa. Voilà. Donc, si j'ai bien retenu le truc, faut vraiment que ici il y ait des... vague comme ça avec une crête blanche. Pas évident. Et tout à l'heure on parlait des codeurs, vous n'avez pas trop réagi dessus. Vous utilisez quoi comme codeur sur vos robots ou... Question récurrente de chaque année. Parce que les AMT là que tu utilises au drone, on est partant pour ça parce que ça a l'air bah déjà pas cher et puis aussi très efficace et très petit. Et on a les gros codeurs sur nos, enfin, dans nos caisses de robotique, mais non, ça rentre pas dans nos robots. Vraiment, vraiment trop gros. Ah. Si j'avais perdu le chat, tiens. Ah, vous m'entendez pas? Oula. Là, c'est mieux là? Quand tu te baisses. Ah oui. Ah, mais c'est comme disait je sais plus qui la dernière fois, c'est parce que je fais de l'ASMR des fois. C'est mon côté. C'est mon côté ASMR. Ah mais ça détend de dessiner, donc moi je me détends, puis je parle moins fort. Ah ouais. Ah oui, en mécanome balèze. Ok, d'accord. Alors, l'ASMR, c'est. c'est, tu sais, je sais pas si c'est cette. Alors, je sais plus ce que ça veut dire, ASMR, les initiales ASMR. Alors, c'est de l'anglais Autonomous Sensory Meridian Response, que l'on peut traduire par réponse autonome sensorielle culminante. Et c'est une sensation agréable mais non sexuelle de picotement ou de frisson au niveau du crâne, du cuir chevelu ou des zones périphériques du corps en réponse et ben un stimuli visuel, auditif, sensoriel, bref. Et souvent c'est sur internet, t'as des gens qui font ça, des temps d'ASMR. Où ils approchent comme ça et puis ils disent alors là alors c'est surtout des bruits normalement que tu as entendu dans ton enfance, soit t'aimes bien le crépitement du feu dans la cheminée ou ce genre de choses là. Donc du coup ils vont te faire écouter ça pour que tu te sentes bien. Alors là tu vois, là je vais prendre un taille-crayon mécanique électrique et nous allons tous les deux entendre ce bruit divin qui va vous faire beaucoup de bien. Voilà. Alors normalement ça fait beaucoup plus de bien. Et là j'ai dû vous vriller les tympans avec mon avec mon machin. Voilà. Donc c'est ça la ASMR. En fait non, mais normalement ça doit te faire du bien. voilà.
En gros, les gens essaient de se faire des biens, te faisant écouter des sons en t'entendant les images ou vidéos pour cet effet. Voilà. Donc là, j'aurais pu te montrer un mec qui taille son crayon. Que ça. Voilà. Donc c'est ça, l'ASMR. Il y en a un sur le chat, la dernière fois, il m'a dit « Je profite de l'ASMR soudure. » Alors, en termes d'ASMR, la soudure, c'est quand même le parent pauvre de l'ASMR. Alors, en termes de son, c'est pourri. Mais bon, ça m'avait fait beaucoup rire. Du coup... C'est quand des filles plutôt mignonnes cherchaient de toute façon de faire du fric facile sur Twitch. C'est pas loin d'être ça, honnêtement. Après, je pense vraiment que certains sons peuvent faire du bien. Moi, je sais que j'écoute beaucoup des sons de pluie quand j'ai besoin de me concentrer. Je pense que c'est une forme d'ASMR, en vrai. Après, que quelqu'un me joue du gong dans les oreilles, je pense que ça me ferait chier. Vous avez testé les encodeurs magnétiques, genre AS... 5600. Non, pas du tout. Pas du tout testé ça encore. Je sais pas s'il y en a qui ont testé dans le chat. Ils disent des petits codeurs de chez POSIC, mais si on devait refaire maintenant, sûrement qu'on ferait une carte homemade à base d'un codeur magnétique en circuit intégré. Ah ouais. D'accord, ok. Carrément, quoi. Bon, ça m'étonne pas de vous. Et tu utilises du POSIC aussi, Audran, de mémoire, sur un de tes robots. N'êtes pas les seuls. POSIC, c'est bien, mais punaise, t'as vraiment besoin d'un sponsor, hein, parce que c'est dur. Hein. C'est vraiment un problème après. J'écoute du death metal pour me consacrer, c'est de l'ASMR. Ben, en quelque sorte, si ça te fait ressentir des frissons et que ça te rend bien et que ça te met dans un état de détente, oui, bah oui, tout à fait. Voilà, c'est tu as le droit, c'est l'idée. Mais il faut que ce soit une fille sexy sur Twitch qui te le fasse. Voilà, ça c'est important. Pour que ce soit validé et sévère. Non, je déconne. Hein. Hop. Hop. Je sais pas du tout ce que je suis en train de faire, mais alors par contre, je sais que je suis parti dessus. C'est parti. Hop. On fait des petites vaguelettes. Hop. Voilà. Et l'idée, c'est d'arriver. Sur le système de. Ouais, ça va être compliqué, hein. Cette histoire. Et c'est là où je sais pas trop comment raccorder. Ça peut être le truc de fin. Il faudrait pas que je fasse en un seul. Faut que je le coupe. Faut que naturellement ce soit coupé par la houle, je pense, pour que ce soit beaucoup plus logique. Je trouve ça plus logique en tout cas. Avec un décolleté bien visible, mais pas trop pour pas être ban. Pas encore testé, je sais que chez RCA, ils ont une carte codeur à base du AS. L'équivalent. Ouais. Qu'ils utilisent encore? Je suis pas sûr qu'ils l'utilisent encore. Le jour où quelqu'un de RCVA passera sur le chat, on pourra lui demander. Ouais, parce que là, du coup, si je reviens sur ce dessin-là, ça veut dire que ici. Des... Voilà. Je vais avoir des vaguelettes qui vont ressembler à ça. C'est pas RCA les Allemands. Ah, pardon, oula. J'ai pas suivi. Alors, ça m'étonnerait effectivement qu'un Allemand débarque sur le chat et commence à nous taper à la causette pour. Mais pourquoi pas, hein? Juste que je suis rendu mal à parler allemand, c'est juste ça.
Oh, salut Régis! C'est quoi le thème de ce live étrange? C'est l'ASMR taille crayon. Non, je le refais pas. Ne vous inquiétez pas. Les mecs ont enlevé leur casque. je dessine le. C'est un live un peu spécifique. Je dessine un logo pour le t-shirt des Caribous de cette année. Voilà. Faire de beaux t-shirts, vraiment. Enfin, ouais, on va essayer en tout cas. Et là, je galère. Je galère sur la flotte là. Ça me plaît pas du tout. Moi, généralement, je fais des trucs pas du tout organiques. Moi, je fais des robots, je fais des machins comme ça. Et là, honnêtement, je galère avec mon bateau et avec ma flotte. Mais voilà, l'idée, c'est ça, de faire un petit t-shirt pour la coupe de cette année. C'est vrai que si c'est le premier live que tu regardes, je fais pas souvent ça, hein. Le t-shirt sera orange, je sais pas. En fait, généralement, ce que je fais, c'est que je fais des essais. Est-ce que j'ai un. Je vais essayer de vous montrer ça. Je dois avoir un essai où j'avais fait des. Où je le mets sur un t-shirt de d'une fausse personne. Non. Non, ouais, voilà. Et du coup, je fais des essais pour voir un peu ce que ça peut donner en termes de rendu. Donc, je sais pas si ce sera orange. La logique veut que là, bon, c'était orange, mais je m'en foutais. Là, le t-shirt était noir. Parce que bah du coup j'avais fait toutes les étoiles blanches et le fond était pas noir, était transparent et ça marchait bien. Donc si je suis ma logique, et ben je serais censé avoir un t-shirt bleu. Voilà. Mais ça, difficile de faire de chaos quand tu as l'habitude de faire de jolies courbes. Mais ouais, c'est grave ça. Et en fait, l'eau, c'est vraiment le chaos, quoi. Et donc du coup. Et donc du coup, ben, c'est un peu la galère, quoi. C'est intéressant comme principe. Oui, j'ai vu les autres, c'est pour ça que j'étais surpris. Ah voilà. Des fois, ça me prend, tu vois, comme ça, à 19h, je fais, tiens, j'ai un peu de temps là ce soir, je vais faire un stream. Et comme j'ai pas envie de souder des cartes ce coup-ci, ben hop, je vais streamer, me streamer en train de dessiner. Voilà. Voilà, faudrait que je demande à quand même quelqu'un qui maîtrise un peu mieux que moi le dessin. Non, ça va pas du tout. Ça ne va pas du tout. On est déjà orange. Ouais, en plus, il y a Evolutech qui m'a piqué le orange. Non, mais je ferais bien, moi, pas tous les ans, la même couleur. Hein, c'est bien de changer. Non, vous m'avez pas piqué, hein, ça fait longtemps que vous êtes. Longtemps que moi que vous êtes à la coupe, hein, je pense, en orange. Faut que je m'y mette à faire du stream. Bah avec plaisir. Écoute, 6 mois que je repousse. Faut y aller une fois. Une fois, tu te dis vas-y, j'y vais. Et tu lances un truc avec une pauvre caméra. Ça marche très bien. Et c'est assez rigolo à faire. C'est vraiment bizarre comme par contre comme expérience au début. En fait, c'est encore plus bizarre, c'est les streams où t'es tout seul. Parce que ça m'est déjà arrivé où j'ai demandé l'avis des gens dans le chat. Je me suis rendu compte après 3 minutes d'attente à faire autre chose qu'en fait j'étais tout seul. Que tout le monde était parti, mais en même temps il était 1h30 du matin. Et voilà, dommage. Il y a une autre équipe orange, pas très connue, Ezeo Angers. Ah oui, c'est vrai. Le truc, c'est les spectateurs. Et ouais, et ouais. C'est les spectateurs qui font le stream après. Clairement. Après, toi, tu vois, tu peux dessiner. Et ça s'appelle Live fabriquer son robot.
d'avoir quelque chose de plus droit là sur mes. Voilà. Donc là, il y a la traînée qui est là. Hop. Non, ça ne va pas. On va y arriver. Pour ça, j'ai fait tous mes robots en jaune car le orange et le bleu pris par OpenBot. Tu sais que à la machinerie, on est les seuls à utiliser l'acrylique orange et bleu, hein, quasiment. On est quasiment les seuls à utiliser de l'acrylique en fait. Ça c'est quand même assez drôle. Clickbait. Ah, par contre. Oula, attendez, je suis parti un peu en cacahuète là. Ça va pas du tout. Bon, de toute façon, je pense que. J'arriverai pas à le terminer ce soir, ça c'est sûr. Voilà, normalement il continue comme ça et je rattrape celui-là derrière, clignote putaclic. Ah oui! C'est un peu le cas, je suis venu parce que je suis maker, pas par fanitude du dessin. Désolé, j'avais dit sur le sur Twitter que j'allais faire un live un peu spécifique. Mais du coup, voilà. Désolé. Désolé les gars. J'ai même pas pensé, hein. Je me suis dit, tiens, ça pourrait être rigolo parce que, bon, ça fait partie en fait du travail à la coupe, de faire ton travail de com. Et nous, ça fait partie de notre travail chaque année de faire un petit dessin comme ça sur le thème de la coupe. Donc voilà. Et pourquoi pas, hein? Bienvenue sur cette vidéo un peu spéciale. Non, je l'ai jamais fait ça. Je le dis jamais ça, non? Si en fait toutes les vidéos sont un petit peu spéciales. Ah, c'est pas comme si on n'avait pas parlé robotique non plus. Nous on fait le robot en PMMA transparent et impression 3D. PMMA, ah oui, en PMMA transparent, excuse-moi, j'ai lu PMMA, j'ai cru que tu parlais de PLA transparent, là j'ai fait waouh. Après, le thème de discussion est quand même robotique en général. Ben oui, eh oui. Enfin, un robot, enfin, un dessin, pardon, qui va aller potentiellement sur les t-shirts d'une équipe de robotique. On parle robotique, on boit robotique, on mange robotique. Non, bon, bref. Suis vraiment pas satisfait de mes vaguelettes là. Ça va pas. Je crois que c'était pas la soirée vaguelette. Mes robots n'aiment pas les robots transparents. Ah, si c'est de l'acrylique, il semblerait que les capteurs aient moins de mal quand même avec de l'acrylique transparent. C'est que l'acrylique, le PMMA est opaque. Aux infrarouges, à certains infrarouges, si je dis pas de bêtises. Tu manges tes robots? Ah ouais, mais alors, du coup j'allais rajouter un truc qui était absolument pas possible dans le avec le sens du vent. Bon. Mettons qu'on a ça, et mettons que j'arrive à le raccorder avec ça. Ce qui va quand même pas être évident. Je les comprends, tu imagines des humains avec la peau transparente. Maintenant, on avait dit quand même, sur notre dessin, que il allait avoir ces petites bouées là. Donc on va essayer de voir ce qui existe comme bouée. Alors, je vais essayer bouée nautique. Ou alors on s'invente une bouée nautique. Tant qu'à faire. Ouais, les gens ils vont dire, mais c'est pas
C'est pas des vrais bouées, ce serait pratique pour les médecins. Ah bah oui, effectivement. Ce serait moins cher pour faire passer des examens, ça c'est sûr. Non, je vais pas dessiner là-dessus. Reprenons notre truc. Comment on va dessiner une petite bouée là? Une petite bouée. Si je fais un truc du genre comme ça. Voilà. J'ai appris à dessiner mes vagues là. Voilà. Là, je fais une bouée. Comme ça, tac. Il y a des poissons transparents. C'est vrai, ça? Pourquoi pas des hommes transparents? Ça me fait penser à. Pourquoi je pense à ça, à X-Men, le premier, là. T'as le sénateur qui devient transparent. Pardon, techniquement, ça devient de la flotte. Mais il a une phase un peu transparente, comme ça, en CGI, un peu dégueulasse. Bon, ça passait pour l'époque. C'est pas mal, ce genre de bouée, là, comme ça. Il fait un drapeau. Voilà. Orange. Ça pourrait être pas mal. Il y a des bateaux robots autonomes via le GPS. Ah. Il y a. Ben. Jonathan, là, au Fab Lab de Château-Thierry avec la Fondation Orange, vous aviez pas fait des bateaux autonomes justement à une époque? Ça me dit quelque chose là où je suis en train de complètement déconner. Vous avez fait des bateaux, mais je ne me souviens plus si c'était des bateaux radiocommandés ou si c'était des bateaux autonomes avec un guidage GPS. Si tu es encore là, Jonathan, forcément. Il me semble que c'était ça, hein. Vous aviez fait un petit challenge comme ça. C'était cool votre truc d'ailleurs, avec les gamins. Si, c'était bien ça. Ah, c'était radiocommandé. Et ils étaient pas autonomes? Ils devaient pas censés être autonomes à la fin? Donc ça avait pas marché peut-être? Enfin, j'avais ça en tête. Bon, je suis dans la bouée de l'imaginaire collectif. Attention les gars, m'assassinez pas en me disant que c'est pas une bouée nautique valable. C'est une bouée d'imaginaire collectif des gens qui ne savent pas ce que c'est qu'une bouée en nautique. Hop. Oh, j'aime bien. Je trouve ça sympa. On va partir là-dessus. On voulait en GPS, mais trop de perturbations. Ah, ok, d'accord. Il y a une compétition de traversée de l'Atlantique en bateau miniature autonome de mémoire. Oh, ça c'est cool. Tu veux pas utiliser les bouées de Zeus? Les bouées de Zeus? Si vous souhaitez piloter un bateau en 4G, j'ai une solution super pour vous. Ah, bah ça peut peut-être les intéresser parce qu'ils avaient fait des super bateaux en résine. Les bouées de Zeus? Si je tape bouée de Zeus, je vais trouver des trucs sur Internet ou ça va me. Ouais, je tombe sur des trucs bizarres. Je suis pas sûr que je vais trouver. Nom de Zeus de la commission règlement. Ah! Oui, alors je vois bien. Mais du coup, qu'est-ce qu'il avait fait comme bouée? Ça me dit rien là. Je suis perdu. Il est tard, je suis perdu. Je vais la redessiner en dessous. Donc, on va faire. Encore une fois, je me suis mis trop. Si tu peux me rafraîchir la mémoire, Audron, parce que là, je me souviens plus. Un socket TCP. Regarde Vigibot.
Une Raspberry Pi, une clé 4G. Ah oui, c'est vrai que Gigibot, ils ont lancé pas mal de trucs là sur les réseaux là ces derniers jours. Voilà. Donc ça, c'est mon écume. Et puis là, hop, ma petite bouée. On va en dessiner plein. Voilà. Microtransat. Il a proposé des bouées cardinales. Où est-ce qu'il a proposé ça? Les bouées cardinales. Vous êtes en train de... Mon cerveau se met à plus fonctionner correctement là. De l'écriture selon mes sources, ça me dit plus rien. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Et c'était comment? C'était dense hein, l'écriture du règlement. Donc j'avoue que je me souviens pas de tout ce qui a été dit. Peut-être un lien avec une image de design. On a évoqué les cardinales dans la commission, on n'a pas trouvé où les mettre sur la table. Ouais. Ah oui, c'est vrai, je me souviens de cette discussion, effectivement. Ouais, c'était il y a. J'ai l'impression que c'était il y a genre 8 mois, quoi. Alors, Adrien, pourquoi tu fais une bouée aussi grande alors que de toute façon, vu ce qu'on a prévu, ça va être beaucoup plus petit que ça. Et qu'on verra jamais tous ces détails-là. C'est vraiment inutile. Mais c'est rigolo, quand même. Une petite bouée sympa. Ouais, peut-être que je la réutiliserai. Dans la main des arbitres. D'ailleurs, tu peux discuter avec les créateurs de Vigibot directement sur le site. Et ce sont des participants à la coupe. Effectivement, exact. Je vais en dessiner du coup quelques-unes au loin, comme ça. Avec le bateau, je redécouperai. Pour la suite. Hop. Voilà. On va en faire d'autres. En vrai, je pourrais en faire 15 pareil en les modifiant un petit peu après. Ce serait la même chose. Voilà, on va en faire une autre. Tu arrêtes le live à quelle heure? En général, minuit, c'est-à-dire dans 5 minutes. C'est pas hyper codifié. Là, je vous avoue que je commence à fatiguer à faire mes petites vagues là. Donc je crois que je vais genre pas retarder, je vais finir cette bouée là et on va s'arrêter là, je crois. Voilà, comme ça je pourrais après les prendre, les recopier. Je vous abandonne, bonne nuit à tous, bon courage pour le dessin. Merci. Je pense que là ça va être bien pour ce soir. Je continuerai
continuerai demain, ça sera vraiment vraiment beaucoup mieux. Désolé, je cherche des grands ressorts de durite comme les tiens pour ma 6 mm, as-tu un terme de recherche pour AliExpress? J'avais pas trouvé sur AliExpress, j'avais trouvé sur Amazon. Et c'était ressort de durite, et j'ai un peu galéré d'ailleurs. Et la dernière fois que j'ai voulu recommander, bah, ils en avaient plus, c'est pour ça que je suis parti sur cette solution-là. Donc malheureusement, j'ai pas de nouveau truc à te proposer. Vous avez prévu d'utiliser les tags Haruko? Alors nous, ce que j'expliquais hier, je vais passer à côté. C'est ce que j'expliquais hier, c'est qu'on va potentiellement utiliser une caméra cette année, mais et tester un petit peu les tags. Mais honnêtement, voilà, on verra bien s'il nous reste du temps. On va pas se bloquer dessus parce que en fait, on a plein d'autres trucs à régler et qu'on participe aussi à d'autres compétitions. Donc potentiellement, on va pas pouvoir tout faire d'un coup. Oh, punaise, la puissance du chat ressort de durite. Oh, ah oui, mais compression ressort du coup. Je vais mettre le bureau, c'est ce que tu as trouvé. Ah, il y a des trucs. Ah, il y a des trucs chouettes. Bien joué. Ouais, j'allais voir ça. Qu'est-ce que tu as tapé? Long Spring. Et du coup, ils te mettent des machins pour les Long Spring. Ça, c'est drôle. Bah écoute, merci beaucoup, Alex. Ouais, parce que ça, c'est vraiment, vraiment cool. Tu live quand en général? J'ai pas mal de questions sur les découpes laser que vous avez au lab. Bah écoute, en général, non, normalement, la règle, c'était que je m'étais fixé un live par semaine et en général le dimanche soir, toujours vers 22h. Le souci, c'est que là, le dimanche soir, j'ai plus été très très dispo. Donc c'est un petit peu à l'arrache. Je suis désolé. Donc quand je peux travailler sur le robot, en fait, je live en même temps, je stream. C'est un peu ma règle. Et donc j'essaie de prévenir le plus tôt possible sur Facebook. Encore une fois, sur Twitter, sur @barbatronic. Et donc voilà. Donc là, en ce moment, c'est plutôt ça. C'est pas forcément très très régulier. Voilà. Donc essaye de me suivre sur Twitter, de checker un petit peu de temps en temps. En général, à 19h ou à 20h, tu sais si je stream parce que j'ai foutu un lien sur Twitter. Donc voilà. Ah, les bateaux que vous aviez fait. Ah oui, c'était cette page-là. Hop. Ah, vous en avez fait des beaux, hein. Moi, il y en avait un là que vous avez gardé au Fab Lab. Ils sont quand même très très chouettes, hein. Avec les coques en résine. Plutôt cool. Eh ben écoute, merci beaucoup. Ok, bon, eh ben écoutez, je pense qu'on va finir. On va s'arrêter là-dessus. Alors. Bah c'était rigolo de streamer du dessin, même si voilà, on n'a pas tant avancé que ça. Je m'attendais pas non plus à ce que j'aille vraiment vraiment plus loin, parce que c'est voilà, je maîtrise pas trop les dessins de bateau. Du coup, je sais pas si je referai un live sur du dessin, je suis pas sûr. Je pense que ça c'était juste pour rigoler, mais je ferai peut-être d'autres lives de temps en temps, un petit peu décalés comme ça, mais toujours sur la compétition. Notamment, je pense que je ferai un petit live sur des logos ou des trucs comme ça en découpe vinyle pour les robots, parce que c'est quelque chose que je fais assez régulièrement. Donc voilà. Montréal, bien essayé. C'est possible, c'est possible. Donc voilà, donc le prochain live donc n'aura pas lieu dimanche, ça c'est sûr, parce que je ne serai pas, enfin en tout cas je serai peut-être pas rentré chez moi encore parce que je pars, je suis parti demain. Donc je ne sais pas quand est-ce qu'aura lieu le prochain live, peut-être lundi prochain. En tout cas, on va reprendre un petit peu de robotique standard. Et en fonction de l'avancée de ce que j'aurai fait cette semaine, ce sera soit effectivement de la Coupe de France,
Si j'ai des trucs à montrer. Mais là, comme il y a des cartes électroniques qui sont en production, qu'il y a des protos qui ont été faits, et que d'ici là, de toute façon, j'aurais pas refait de protos, ni découpé au laser, ni imprimé en 3D, parce que j'aurais pas les machines, peut-être qu'on reviendra sur la Maker Fight, et donc la conception des robots de combat pour la Maker Fight de Mulhouse en mars, sur lesquels j'ai très peu avancé. J'avais fait un live il y a quelques temps déjà dessus pour les roues. Peut-être qu'on va revenir dessus, travailler un petit peu sur le châssis, sur l'intégration des armes, enfin voir un peu les gros morceaux. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitter pour pouvoir avoir ces informations-là, sur Twitch et sur YouTube, parce que comme ça, quand je programme des lives, vous êtes informés. Quand vous avez loupé un live, vous pouvez le revoir sur les deux plateformes. J'ai mis en place depuis hier une. Alors attendez, MakerFile structure la même ou changement total? Eh bien justement, on va voir ça, à mon avis, au prochain live, ou dans les prochains lives, parce que tout ça, c'est voilà, c'est des réflexions encore en cours. Globalement, je pense que ce sera à peu près la même chose que l'année dernière, avec quelques petites modifications, forcément. Donc voilà, donc Twitch, YouTube, Twitter. Ceux qui souhaitent, j'ai mis ça en place hier sur Twitch, c'est un petit lien de type en dessous de la page, à savoir que si vous voulez donner quelque chose et que vous donnez, ben, du coup ça arrive pas sur un compte perso, mais sur le compte de mon asso des Caribous pour la Coupe de France de robotique directement. Voilà, donc c'est un peu du sponsor, et à ce titre-là, si les donateurs auront leur nom sur leur robot, sur nos robots. Donc ça, c'est plutôt le truc rigolo. Voilà. Et du coup, j'en ai terminé avec ce live. Je ne sais pas si il vous reste des choses à voir, des petites questions dans le chat. Là, ça a l'air relativement calme. Et si ce n'est pas, si c'est pas le cas, moi, je vais vous souhaiter une excellente soirée. Vous participez à la RoboCup? Alors, non. Enfin, pas les caribous, en tout cas. Pas les caribous directement. Est-ce qu'on y participera un jour? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr, parce que c'est quand même relativement difficile à monter avec tous les autres projets, quoi. Oui, Mike 118 qui participe. Donc ça, c'est plutôt cool. La RoboCup, alors moi, je suis pas trop, je connais pas trop la RoboCup, mais je vous laisse aller voir sur Internet à quoi ça correspond. Il y a plein de choses différentes, hein, à la RoboCup, de mémoire. Donc n'hésitez pas à aller voir ça et à vous intéresser à ça. Surtout que en 2019, la RoboCup, elle est en France. C'est ça, elle est à Bordeaux, si je dis pas de bêtises. Arrêtez-vous, arrêtez-moi, arrêtez-vous, arrêtez-moi si je me trompe. Ah oui, en 2020, ouais. Voilà. Bordeaux, normalement, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ok, ouais, mais j'ai cherché en même temps, et puis RoboCup 2020, Bordeaux. Exact. Donc, à suivre, ça va faire beaucoup de robotique cette année, c'est cool. C'est à quel moment de l'année? Ah, je ne sais pas, ça, tiens. Je clique. Je pense que le chat aura une information vachement plus rapide que moi. Fin juin. Bon, bah voilà, fin juin. Donc c'est pas mal, il va y avoir une fin d'année avec beaucoup de robotique. Ça, c'est cool. Mais je crois. Ah oui, oula. Mettez-vous d'accord. 23 au 29. 23 au 29 juin 2020. Du coup. Ok. Voilà, je n'ai même pas réussi à trouver cette info-là à cette vitesse-là. Il y a des trucs un peu avant. Ah, d'autres compétitions. Mais vous regardez, c'est assez rigolo. C'est très différent de ce qu'on peut faire à la coupe. Bref, bah écoutez,
Merci pour ce live et puis pour votre participation. C'était vraiment, vraiment chouette tous ces échanges. Je pense qu'il y a eu plein de gens qui ont appris des trucs. Et puis voilà, il y a eu plein de liens partagés, plein d'idées. Et même si j'ai streamé du dessin, finalement, on a quand même pas mal parlé de robotique. Et ça, c'est chouette. Du coup, bah, moi, je vous dis à la prochaine. Et puis restez connectés n'hésitez pas à me faire des retours. Sur la chaîne, en commentaire, etc. J'essaie d'y répondre le plus possible. Excellente fin de soirée à vous, bonne nuit et à très bientôt. Salut!